j'ai déjà terminé de broder mon bébé saison du printemps. Il est terminé et il est encadré, ça y est. Et d'ailleurs, en parallèle, j'ai déjà commencé celui d'été. C'est le dernier de la collection. Donc là, je l'ai terminé, je l'ai lavé, je l'ai repassé, je l'ai encadré, j'ai décoré l'encadrement comme je fais d'habitude pour cette petite collection. Voilà, donc là, j'ai fait ma décoration sur le thème du printemps. Vous allez voir juste ici à la suite comment j'ai fait mon encadrement. J'allais dire un mot, j'ai perdu le mot, mais c'est rien, c'est pas grave. Donc vous allez voir à la suite la vidéo, donc comment j'ai fait mon encadrement. Et à la fin, je vous ai remis des photos, une fois terminées, et avec ces deux autres copains pour le moment, c'est-à-dire l'hiver et l'automne. Voilà. Alors comme ça, l'hiver, l'automne, le printemps sont réunis. Il ne reste plus que l'été. Mais quand il sera terminé, celui-là, il va falloir que je trouve une autre place dans la maison pour les mettre tous les quatre. Parce que là, ils sont sur une petite console à l'entrée de la maison. Mais la console accepte trois cadres, mais je ne crois pas qu'elle va en accepter quatre. Le quatrième va être de trop. Mais bon, on verra après par la suite comment je les mettrai dans la maison. Allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce style de déco pour une broderie. Si vous aussi, vous décorez vos encadrements, si ça vous donne des idées pour le faire. Et également, dites-moi si vous avez fait ces petits bébés saison. Voilà. Si vous avez des questions par contre sur l'encadrement, n'hésitez pas non plus. Le cadre, je l'ai acheté chez Action. Les décos que je mets dedans viennent de chez Action et certaines viennent de chez AliExpress que j'avais déjà depuis très longtemps. Et là, j'ai collé avec mon pistolet à colle. Voilà, donc à la colle chaude. Puis c'est tout. Voilà, je pense avoir tout dit. Ah si, le papier craft que j'utilise, c'est également de chez Action. Il vient du bloc comme ceci. Viens là, toi. Voilà, de ces blocs-là, où il y a du papier noir, du papier blanc et du papier craft. Voilà. Donc, Action les ont toujours, hein, ceux-là. Donc voilà, écoutez, je vous laisse visionner la suite et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.